7 km/h. La batterie, elle est vide. Elle va déchirer. Bon, salut les gars, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau modèle. Un nouveau modèle Kingsong. Vous connaissez surtout Kingsong dans le milieu des roues. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle, une Kingsong N12, si je ne me trompe pas. C'est une N12. Il y aura plusieurs versions, N12, N12 Pro. Celle-ci, c'est vraiment le dernier modèle. Vous avez déjà vu plusieurs vidéos avec des prototypes. Apparemment, là, ça va être le modèle vraiment fini. Déjà, ce que je peux vous dire, je suis vraiment emballé. Alors oui, j'aime les grosses trottes, oui, j'aime les grosses roues. Je vous présente de plus en plus de petites trottinettes. Pourquoi ? Parce que vous êtes nombreux à ne pas acheter tous des gros modèles. Et ben, je pense que cette trottinette, elle va plaire à beaucoup de monde. Pour plusieurs raisons. Déjà, l'aspect esthétique, qui franchement me plaît énormément. Et puis, son confort, l'étanchéité et la puissance. D'accord ? On va faire le tour de la trottinette comme d'habitude. Déjà, ce qu'on peut voir au niveau du guidon, il y a un superbe écran. Donc, kilomètre heure, donc le haut dos, le kilométrage, le pourcentage batterie. D'accord ? Avec une petite impulsion sur le bouton, on allume les phares. On retrouve les phares au niveau du deck, en bas, qui vont juste servir pour éclairer à 20 cm devant. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, mais il y a aussi un grand phare ici qui va éclairer plus loin. D'accord ? Et quand on appuie deux fois sur le bouton power, et ben là, on va changer les modes de vitesse, comme d'habitude. Hein, mode éco, mode départ et mode sport. En mode pas, c'est 5 km/h. En mode éco, c'est 19 à vide, donc ça doit faire 15. En mode départ, ça doit faire 25 parce que c'est 30 à vide. Et en mode sport, sur terrain privé, ça doit faire un 60, donc on doit faire un bon 55-50 km/h. Après, qu'est-ce qu'on retrouve des clignotants? Alors, on entend un petit bip qui sert strictement à rien, hein, ce petit bip, mis à part vous faire chez vous ou vous rappeler qu'il y a un clignotant qui est en marche. Et on voit un petit clignotant ici. Bon, c'est un petit défaut. Pourquoi? Parce que la vitre, elle est fumée. Donc, ça va pas être très visible des autres utilisateurs de la route. D'accord? Donc, voilà. Clignotant à l'avant. Non, que à l'arrière. À l'arrière, à gauche et à droite. Et après, on a, en plus de la petite sonnette qui est ici, un petit klaxon. Et là, attention, vous allez écouter le klaxon, vous allez rire. Je sais pas, c'est une sonnette de... une sonnerie de téléphone, c'est allô ? C'est pas un klaxon, quoi. Bon, bref, ça sonne. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bon, bah, la gâchette, les deux leviers de frein. Après, un petit crochet pour la fixer ici. On appuie ici pour la déplier. Hop, et le crochet qui vient là. Et là, je vais devoir la tenir. Ouh là là, elle est lourde quand même. Elle est lourde, mais si elle est lourde, ça veut dire qu'elle va être costaud. Petit crochet. Voilà, il faut bien rappuyer dessus pour décrocher le crochet, d'accord? Il vient se mettre tout seul. Et hop. Pour décrocher. Donc là, pour plier et déplier la colonne, hop, ça se clipse tout seul. Et un beau petit point, ça se met. Sinon, pour déverrouiller, on appuie sur le bouton, on tire. Hop, là, ça déverrouille. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Là, il y a des jolis réflecteurs qui ont été collés. La colonne fait très costaud, très robuste. Ici aussi, hein, c'est du costaud. Et là, on retrouve deux suspensions qui ont l'air vraiment d'être des suspensions. C'est pas des suspensions à ressort, hein, c'est à huile, c'est hydraulique. Je sais pas si on peut régler, on va tester déjà, je vais sauter dessus pour voir. Oh, le confort, je pense que ça va vous plaire, je pense que ça va vraiment vous plaire. Après, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des roues 10 pouces, donc c'est des roues 10 pouces à chambre à air, d'accord, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Je vous ai pas dit, mais le moteur est à l'arrière, c'est pas plus mal. Donc vous allez avoir frein à tambour à l'avant, un frein électrique à l'arrière, d'accord, avec le moteur, mais aussi un frein à disque. Comme on peut le voir ici, il y a un joli frein à disque, d'accord. Bon, c'est des étriers qui sont assez low cost. Vous savez, je préfère les freins à tambour sur des petits modèles. Mais là, c'est quand même une trottinette qui va à rouler jusqu'à 50 km/h sur terrain privé. Donc c'est pas mal. Et là, ce que vous pouvez apercevoir,
c'est cette magnifique suspension. Venez voir, rapprochez-vous. Il y a une magnifique suspension ici qui va vraiment garantir un confort, mais vraiment très important. Donc, suspension à l'arrière, d'accord. Pareil, tout ça, c'est un design qui est vraiment sympa. C'est vraiment costaud, du solide, c'est pas du plastique. Le garde-boue a l'air très très robuste. Il va bien protéger toute la roue, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Donc vous n'allez pas avoir de projection. Il y a la petite emplacement pour les futures plaques, pour recevoir des amendes. Et encore une roue à chambre à air. Une roue à chambre à air à l'arrière. Donc à l'arrière, c'est une valve coudée, comme vous pouvez le voir ici. Donc pareil, à chambre à air. Et en 10 pouces. Le pneu a l'air d'assez bonne qualité. Et on va trouver le port de charge. Le port de charge qui est ici, viens voir. Et qu'est-ce que c'est comme port de charge? C'est un 3 pins. C'est les anciens ports de charge qu'on trouvait sur tout ce qui était Mini Motors, même Bluetran, etc., qui a été changé, parce que normalement, ce port de charge n'est plus trop autorisé. Voilà, j'espère que Kingsong va faire cette modification bientôt. Elle est magnifique, elle est vraiment belle, j'adore les couleurs. Donc, normalement, étanche, enfin, résiste à l'eau. Vous n'allez pas avoir de soucis pour rouler sous la pluie avec. Mais ça, je vous mettrai tout dans la description. Donc, cette Kingsong N12. Donc, normalement, elle devrait arriver chez Fastride d'ici un mois. Il y a eu un petit peu de retard. Vu l'état de la trottinette, moi, j'ai pas encore de tarif exact. Je vais vous dire ce que je pense. Niveau tarif, je pense qu'elle va être aux alentours de 1 500 €. 1 500 €. C'est une trottinette qui roule à 50 km/h. On peut la comparer, par exemple, à une Limoges S1F. Elles sont à peu près la même longueur. Le deck est plus... est plus étroite sur la Leanmotion S1F, donc ça sera plus confortable sur la Kingsong. Par exemple, on va mesurer tout ça. Alors, le deck, ça fait 22 cm, alors que sur la Leanmotion, il fait 15. En surface utile, là, avec les pieds, si vous les mettez là, ça fait bien un bon allez, 55. Tandis que là, vous avez un... Ouais, 55, pareil. D'accord. La hauteur du guidon, ça fait 106 sur la Leanmotion. Par rapport au deck, hein, c'est là où vous mettez les pieds, et là ça fait 100. Et quelque chose de très important qu'il y a sur la Kingsong, la N12, c'est le guidon, on dirait presque un cintre. Donc avoir un guidon comme ça, un petit peu incurvé, vous allez avoir un plaisir de conduite, ça va vraiment être très agréable de conduire avec une trottinette comme ça, plutôt qu'avoir un guidon droit et avec les poignées très rapprochées. Souvent sur cette Leanmotion S1F, que j'adore, hein, je n'attaque pas, mais Fastride rajoute des poignées pour qu'il y ait quelques petits centimètres de plus. Parce que vous savez, plus c'est large, plus c'est stable. Et là, sur celle-ci, bah, il ne va pas avoir besoin parce que vous allez voir, là, ça fait 64 et ici, ça fait 53. Donc, il y a 11 centimètres de plus niveau largeur. Donc, elle va être très, très agréable. Alors, bien sûr, ça va être un peu plus compliqué dans les ascenseurs niveau encombrement. Mais franchement, niveau conduite, c'est vraiment, vraiment top. Et en plus, le deuxième gros avantage qu'elle a, cette Kingsong, elle a deux freins. Elle a deux freins. Elle a un frein à tambour à l'avant, un frein à disque à l'arrière, jumelé avec le frein électrique. Ben voilà, elle va freiner très très bien. Regarde comment c'est sympa quand on l'allume. Waouh, c'est K2000. K2000. Même quand on l'éteint. Waouh. C'est des petits trucs, mais c'est super sympa. On peut voir tous les logos. Wow. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, quand même, c'est les LED qu'il y a en dessous. C'est joli comme tout. Quand ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc, ça permet d'être bien visible. C'est vraiment pas mal. Heureusement, Juju est là. On va pouvoir vous faire une petite vidéo. Il est connecté avec l'application Kingsong. Ah, donc, c'est une N12 Pro. Verrouiller le produit. Confirmé. Ah, voilà, on a entendu. Et là, il y a un petit logo. Ouais. Là, il y a un petit logo. C'est super, non? Cadenas. Et attends, attends, regarde. Il y a même une alarme. Et ça bloque le moteur à l'arrière. J'ai bien remarqué la mélangerie. Ah ouais, laisse tomber. Mais elle est super, en fait. Regarde, le chargeur, il est là. Ah ouais, 67,2 en plus, même pas un 66,4 et 2 ampères. Ça va ? Une autre Mais franchement, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment bien.
Bon, vous allez me parler aussi, qu'est-ce qu'elle vaut niveau autonomie? Bah, je préfère ne pas trop vous en parler parce que vous savez, l'autonomie sur une trottinette électrique, c'est pas comme une voiture. Ça va dépendre de votre poids, de la déclivité, du temps, etc. Bon, une chose est sûre, je peux vous dire qu'elle peut faire 25-30 km max. Parce que c'est une trottinette qui roule quand même assez vite, 50 km/h. Je pense pas que vous allez rouler en mode bridé, parce que c'est un peu de l'inconscience, ou en mode bridé, bon bref. Franchement, je suis vraiment très très agréablement surpris de cette trottinette. Fast Ride a reçu le carton il y a ça, excusez-moi, mais 2 mois peut-être. 1 mois, 2 mois. Beaucoup de retard dans les vidéos. Je ne l'ai pas fait tout de suite, je me suis dit, off, qu'est-ce que ça va être encore comme chinoiserie? Et en fait, pas du tout. Agréablement surpris. Ouais, les seuls défauts que je verrais, c'est les clignotants qui ne sont pas assez visibles. Mais encore, vous savez ce que j'en pense des clignotants. Pour moi, ça ne sert strictement à rien sur une trottinette. Surtout à ce niveau-là, au niveau du sol, les voitures ne vont rien apercevoir. Clignotant pas assez visible et là, c'est phare pas assez puissant. Parce qu'ils ont mis des caches un peu teintées devant. Sinon, elle est vraiment, vraiment très bien. Ça peut faire office de cale-pied. C'est pas mal. Alors, la portée, on la porte quand elle est pliée, mais si on la porte quand on est... Ouais, non, ça va, ça le fait bien. Ça le fait bien. Vraiment très très robuste, très costaud, peut-être un petit peu lourde, mais bon, pour avoir une trottinette solide avec des suspensions avant-arrière, on est obligé d'avoir du poids. On est obligé d'avoir du poids. Il n'y a plus de batterie, donc ce que je vais faire, je vais vous laisser, hein, juste avec cette présentation de cette trottinette, et après je ferai une deuxième vidéo avec un essai routier, très très courte, pour vous dire ce que j'en pense niveau route. Mais franchement, j'ai vu l'accélération, j'ai vu 50 km/h. Je pense qu'elle va me plaire. Vous avez vu, il y a des traces de burn partout au sol. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc voilà, très très content de ce nouveau modèle. Donc comme vous savez, Fast Ride se fournit maintenant directement à l'usine, aux usines, hein, de roues, de trottinettes. Donc Fast Ride va sûrement importer ce modèle. Donc il y aura tout dans la description de la vidéo si vous voulez l'acheter. On n'oublie pas d'avoir le code JEFFRIDE pour avoir moins 5%. On s'abonne, on like, on commente si vous avez la moindre question. Et on n'oublie pas de s'abonner à mon compte Instagram. Maintenant, ça sera sur Instagram que je vais vous offrir des trottinettes, des motos, des roues. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire un tirage au sort sur Instagram. Voilà, je vous dis. Ciao, ciao. Tu commences pas par le haut? Eh ben non, raté. Bravo. Oh putain. Elle est folle. Alors, le risque. Tout a gâché qui tourne, donc il suffit qu'on tienne, on tire et la palme mode au pas et ça part. Et, mais t'es pas loin. Oh la vache. Et t'es pas loin de tomber, hein. Bon bref, j'en ai fini du coup. Terminer la vidéo, maintenant il faut ranger. Ranger le scout de Pierre. Pierre, ça serait bien que tu viennes récupérer ton scout. Bientôt, on vous fera des vidéos sur ces scouts aussi. Je te paierai un pneu, Pierre. Ah, mince, je l'ai mis en panne. Il a envoyé un témoin ABS. Il s'allume.